Agnès. Ça ne te rappelle rien? Ça ne te rappelle rien? Ça te rappelle quoi, toi? Jeanne Grosgriffe. Mais qui c'est? C'est elle qui empêche les gens de faire le mal. Tu dors? Oui. Je t'ai acheté un pull au vert. Tu m'as fait peur. Pourquoi tu n'as pas frappé? J'ai frappé plusieurs fois. Alors si je n'ai pas répondu, tu n'avais pas à entrer. Qu'est-ce que tu as mis? Des essences de fleurs. Ma parole, tu es tombée dans la bouteille? Je t'ai acheté un pull au vert. Celui que tu voulais, celui dont tu avais envie. Je n'en veux plus. Tu n'as qu'à le rendre. Mais qui est-ce qui m'a donné une fille pareille? Mon père! Pourquoi tu ouvres toutes les fenêtres? Ça pue, c'est intenable. Il y a une petite brise fraîche ce soir. Courant d'air va nous faire attraper la mort. Ce n'est pas un courant d'air, c'est une bouffée d'air pur. Maman! Ne refais plus jamais ça! Pourquoi tu lèves la voix, ma fille? Je ne lève pas la voix, je parle plus fort, c'est tout. Je grossis, je le sens. M'en fous. Je le sens à mille détails vulgaires. Par exemple, quand je m'assieds, c'est plus sur la même chose que je m'assieds. Tiens, tu entends? Un merle. Non, c'est un corbeau. Ce n'est pas un corbeau, ce n'est pas un merle, c'est un étourneau. Les étourneaux n'ont pas de chant propre. Ils chantent le chant des autres oiseaux. Ma petite fille, c'est un corbeau. Corbeau de malheur, bestiole de merde. Je suis ta mère. J'ai encore le droit de dire ce que je pense. Comment tu peux me parler comme ça alors que je viens de t'acheter un pull en cachemire beige et que j'ai payé? Je voudrais que tu disparaisses de ma vue.